Allez, on continue sur la départementale 7. Apparemment vers Aubigny en Artois, c'est-à-dire vers les monts d'Artois. Il reste de belles propriétés ici. Alors là, ils font des giratoires n'importe comment. J'ai pas dû passer souvent sur celle-ci. Sympathique bruit d'une Harley customisée. Ouais, camarade, tu prends des risques en coupant comme ça. Hein. Là, t'as descendu avec la boîte de vitesse. Mon cours. Avène le compte. Camarade n'a pas de clignotant, n'a pas de feu stop. C'est bien les engins customisés, mais ok. Voilà, il a fait attention. Mais c'est vrai que sans clignotant et sans feu stop, c'est un peu limite. Ouais. Encore super. Alors on fait attention. Les tracteurs, alors ils sont deux à la queue leu-leu. C'est toujours qu'il y a des tracteurs, il peut y avoir quelqu'un de pressé derrière qui veut doubler. Et alors là, nous arrivons à Vanquetin, départementale 7. Vanquetin, Wanquetin, Wanquetin. Je ne sais pas comment on prononce. Alors ici, nous ne sommes plus en Flandre, mais dans l'Artois. Thank you.
Alors, je vais poursuivre la départementale 7. Elle est là à gauche, la départementale 7 à gauche, et ben pépère. Et la D59. Bon, il a fait un petit signe, excuse-moi. Départementale 7, ben, elle va vers Abar. Abar qui est un autre lieu de mes ancêtres. Quittons Anquetin par la départementale 7. Abar. Abar, départementale 7. Alors toute une lignée de mes ancêtres vient d'ici, d'Abar. Et d'ailleurs, je pense qu'on arrive... Non, ce n'est pas là. Ah ben voilà. Voilà, c'est le château d'Abar. Le château d'Abar, c'est là où se sont mariés mon grand-père et ma grand-mère maternelle en 1918, un peu après la fin de la guerre. Mon grand-père était un soldat canadien né en Belgique et ma grand-mère était née ici à Abar. Alors, la départementale 7 se termine ici ou commence ici, comme vous voulez. Alors, Aubigny-en-Artois à gauche. Ouais, on va aller vers la gauche. Je ne suis pas passé près du cimetière. Ce sera pour une prochaine fois. Le château d'Abar. Il y a un endroit par lequel on le voit très très bien. Bon ben, ce sera pour une prochaine fois. Et j'ai la photo de mariage de mes ancêtres sur les marches du château.
Le château qui, je pense, pendant la guerre, était un hôpital militaire. Ou comme on dirait à l'époque, un centre de soins de suite. Donc nous sommes sur la départementale 339, sur la commune d'Abar. Et voilà, nous quittons Abar, départementale 339, dans le Pas-de-Calais.